me dis vraiment, on est en train de faire un film américain, quoi, tu vois. C'est dans mon bureau avec les petites voitures pour enfants que je me fais boum boum et là boum, ça fait ça. Fan de films d'action, j'aime les voitures, j'aime Fast and Furious, j'aime les scènes de cascade. Quand t'arrives le matin sur ton tournage et qu'il y a des drones énormes, il y a des cascadeurs moto, cascadeurs voitures, des armuriers, des voitures entières remplies d'armes. La scène où on court sur les toits, j'ai le souvenir, il y avait les drones, le mec au steadicam, franchement c'était ultra impressionnant. Ça se bagarre, ça se tire dessus, il y a des chiens, il y a des armes. C'est la première fois que Ramzy tournait une vraie scène presque de guerre, quoi. On doit tirer sur des gens. Je me rappelle que quand on tournait, il me disait, t'as ton téléphone, fais des photos juste de moi avec les armes, parce que c'est la première fois qu'il tournait des trucs comme ça. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours, en tout cas en ce qui me concerne. Où on est passé sous le camion, je me suis dit il va y avoir un fond vert, des cascadeurs. Jusqu'à deux minutes avant le tournage de la scène, j'attendais les cascadeurs et le fond vert, parce que je le vois monter au volant. Il me dit allez vous montez. Donc on le fait nous alors. Et de se retrouver sur une autoroute coupée à Medellin sous un camion. Ouais, tu t'en souviens longtemps de ces trucs-là. Chaque jour où tu arrives sur le tournage et t'as à ta disposition ces espèces de jouets, c'était à chaque fois des journées où moi j'avais conscience d'avoir une chance énorme de pouvoir disposer de tout ça pour faire ce film. Battez-los!